Salut à toutes et à tous, ici Kalion et on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode réel que je tourne en 2015. It's an amazing place. Bonjour, bonjour, ça va la famille, tout ça, vous avez passé de bonnes fêtes, moi j'espère que vous en avez passé des bonnes, moi ça va, c'était marrant. Et c'était très sympa. Donc du coup on se retrouve pour l'épisode numéro 27 je crois, ou 28, attendez je vérifie ça sur le champ. L'épisode 27, voilà. Donc, les épisodes précédents, nous avons fait 12 traîtrises. Avec l'histoire terrible de Zabon qui trahit son chef un petit peu. Donc maintenant, on va faire l'histoire de Broly, mais Bio Broly. Avec Trunks, t'as eu. Having completed his mission to prevent the world of the past from befalling the same sad fate as his own, Trunks return to the future, determined to defeat the androids and put an end to their senseless slaughter. At all costs, he has vowed to destroy the androids and their ringleader, Cell. He will bring their reign of terror to an end, that the light of hope may once again shine on his dark world. And so, with the fate of the future resting on his shoulders, Trunks prepares for one final decisive battle. Donc voilà. On va une nouvelle fois battre les cyborgs, mais cette fois-ci ça va être une vraie boucherie parce que ils ne verront pas l'aube. Voilà, donc j'espère que vous avez compris la petite référence. Donc, je voulais m'excuser pour un truc parce que en fait cet épisode est censé sortir lundi, mais lundi je n'ai pas eu le temps de tourner, mardi je n'ai pas eu le temps de tourner, nous sommes mercredi, j'ai eu le temps de tourner, it's amazing. Du coup, vous aurez cet épisode aujourd'hui, mercredi, mais je suis vraiment désolé qu'ils ne soient pas sortis lundi. Et donc, en fait, vu que j'adore jouer à WRC3 comme vous l'avez vu, je suis un mordu de jeux de rallye et de jeux de bagnole en général. Et en fait, quand je n'aurai vraiment, mais alors je vais pas abuser, mais quand je n'aurai vraiment vraiment pas le temps de tourner des épisodes de Let's Play tel DBZ, de Pokémon Ambre Rouge ou autre Let's Play à venir, eh ben je sortirai une vidéo d'une spéciale, enfin une spéciale c'est une course dans le jargon de jeux de voiture. Je sortirai une course que je fais sur WRC3, parce qu'en fait je suis en train de faire l'espèce de mode campagne, on peut appeler ça, et c'est Road to Victory, donc en gros c'est le but, c'est de vaincre tous les champions du monde au rallye. Et je posterai une vidéo de chaque spécial que je fais quand j'avance dans le monde aventure, quand j'aurai vraiment pas le temps de vous proposer des BZ. Entre nous, ça se fera rare, enfin ce sera très rare. Je veux dire, j'abuserai pas de tiens, j'ai la flemme de tourner un épisode de 30 minutes de BZ, tiens, je vais tourner une course de WRC3 ou est-ce que c'est pas commenté de 5 minutes et puis voilà. Non, je suis pas vraiment comme ça non plus. C'est vraiment pour remplacer si j'ai pas du tout le temps. Et je vous rassure, ce sera très rare. Donc, je vous mettrai de temps en temps, vraiment très rarement, quand je ne pourrai vraiment pas, des vidéos de WRC3. J'en ai déjà 6 en réserve. Mais 6, mais ça sortira pas maintenant. Enfin, je veux dire, c'est vraiment quand j'aurai pas le temps. Mais elles sont non répertoriées, quoi. Mais c'est juste histoire d'être éventuellement prêt si jamais j'ai un imprévu. C'est juste pour ça. Ah oui, on ne peut pas éviter cette merde. Aïe. Mais c'était vraiment juste pour ça en fait. Et je me réexcuse une nouvelle fois que vous l'ayez, d'accord. Mon perso qui a fait Matrix, c'était surtout pour vous dire que je suis désolé. Voilà. Donc c'est l'année 2015 et on se fait déjà péter la gueule. Oui, parce qu'en fait j'ai pas joué depuis depuis la dernière fois que j'ai tourné, quoi. Donc ça date, c'est à dire, attendez, je partais en vacances le 26 décembre bien sûr. Et en fait, ouais, j'ai pas tourné depuis le 25 décembre. Et j'ai pas joué depuis le 25 décembre. Merde, il y a une Dragon Ball. Oui, aïe. Donc comme vous pouvez le constater, je me fais défoncer. Voilà, donc on va faire un petit game over des familles pour bien commencer l'année. Aïe. Ah bah. Ouais. On va faire un petit game over des familles parce que... Bah c'est rigolo les game over, mine de rien, parce que c'est vrai que c'est pas mal. Oh. Voilà, c'est excellent, c'est excellent. Non mais j'ai pas joué depuis 2 semaines quasiment, enfin une semaine et demie, quoique, non une semaine et demie, on va prendre à compter mon grand. Donc bon, voilà, donc vous avez remarqué aussi qu'on est ah mais attends, ah oui mais il y a un abonné qui m'a fait la remarque, le chapitre de Zabon il a pas été sauvegardé je crois. Ah merde, ah oui, enfin parce que je crois qu'on était à plus de 50% quand c'était laissé la dernière fois. On était genre à 53, un truc comme ça, là on est à 48 je crois. Merde.
Bon, c'est pas grave, je le ferai de mon côté quand j'aurai 5 minutes. De toute façon, ça impacte rien du tout sur l'histoire, donc au pire, bat les couilles. Bon. Ils sont chauds comme Mulhouse, alors ce qu'on va faire... Ouais, alors, ça, c'est le genre de truc inutile. Voilà. Donc, casse-toi, pauvre con. Non, mais oui! Putain. Vous allez me voir sous un nouveau jour. Non, je déconne. Toujours fidèle à moi-même, je rage. Non, je rage pas vraiment, mais... pourquoi j'ai deux qui quoi? Ah, mais j'étais bourré quand j'ai joué. Hein. Ah, quand j'ai joué Trunk, j'étais pas dans mon état normal, hein. Qu'est-ce qui se passe? Ou alors c'est parce que j'avais plus vraiment d'artefacts et fallait meubler en fait. Ouais, je crois que c'est ça. Bon bah écoutez. Maintenant on est chaud. Et on va défoncer la petite blondasse et le petit brun. Frères et sœurs jusqu'au bout dans la mort comme dans la vie. Mais surtout dans la mort. Alors, bonjour. Non mais pourquoi tu fuis comme ça? Mais enfin, c'est quoi ces manières? Qui va se voir en premier, that is the question? Ah voilà. Oups. Alors là, tu m'as cherché. Et tu vas me trouver, vois-tu? Parce que je suis un peu vénère. Putain, t'as mis du temps, mec. Waouh! Le duck! Aïe, oui. Tu te calmes, d'accord? Parce que c'est pas parce que j'ai pas joué depuis une semaine et demie. Pourquoi tu fais pas le truc? C'est pas parce que ça fait une semaine et demie que j'ai pas joué que. Mais j'ai barré. C'est quoi ce beat? C'est pas parce que j'ai pas joué depuis une semaine et demie qu'il faut me casser les roubignoles, tu vois. Ah mais il faut vraiment que... Allez, je suis ramolli, je vais pas vous mentir. Je vais pas du tout vous mentir. Bon, j'ai l'impression que ce chapitre est un petit peu dur. Mais bon, c'est que... Oh oh, le dodge. Le dodge où j'ai rien fait, c'est trop cool. Meurs. Allez, à l'attaque. Oh non. Ouais. Tiens. Hop. Tu me saoules. Je sais pas si t'avais remarqué, mais moi je l'ai bien remarqué. Alors viens faire un câlin. Voilà. Parce que là tu m'as saoulé. Bon sinon, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes une nouvelle fois. Bon allez. Tu ne mérites pas de vivre. Merde, moi non plus apparemment. Non mais non. Donc ouais, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, de bonnes fêtes et que la reprise n'a pas été trop dure, mais je pense que oui, parce que bon... Eh mais non, j'ai tapé en premier, c'est quoi ça? Allez viens, on va faire des câlins. Non, je déconne, c'est très tendancieux ce que je dis. Mais non, en fait, non. Bon, alors je sais plus du tout combien de combats hein, cet épisode de Bio Broly fait. Je saurais pas vous dire. Tiens, tu te casses. Tu te casses. Casse-toi. Oh merde. Non. Aïe. Oui. Oh, je m'étais. Oui, 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 oui. Ah, mes couilles. Oui, oui, oui. J'ai perdu ma virilité. Mais lève-toi. Il m'énerve. Ok, alors, je t'explique un truc, mon gars. Sur un pose poussu comme ça, tu vois. Oh merde, oh putain. Aïe. Ah ouais, tu me tauntes. Ok, bah c'est bon. Voilà. Alors mec, je t'explique. Félicitations, tu es papa. Voilà, félicitations. Encore enjoy, hein. Donc là, tu m'as taunt. C'est le truc à ne pas faire, tu vois. S'il y a bien un truc à ne pas faire, c'est me taunt. Parce que là, franchement, j'apprécie moyen le geste. Donc, meurs en silence, espèce de tas de sous-merde de mes couilles. Donc ça, tu vois, me taunt, c'est la révélation. C'est genre, si tu me taunt, il y a le skill qui se réveille. Et là, putain, je suis vénère. Pardon. Donc, nous avons vaincu ces deux connards, voilà. Donc, nous avons vaincu ces deux guignols, voilà. Il suffisait juste qu'il y ait un petit truc qui se réveille, et puis voilà, j'étais parti, j'étais chaud bouillant comme Mulhouse. Donc voilà. Bah oui, t'avais qu'à pas me taunt. Je vous aurais pas cassé la gueule comme ça. Bah voilà. Ah, les jeunes de nos jours. Hein. Merde, non, attends, oui. Putain, je suis chaud. Hein. Ouh. Non, mais qu'est-ce que tu fais, le joystick, là? T'es en train de loucher comme je sais pas quoi, là. Allez, merde, je suis en train de regarder les OGN en même temps. C'est peut-être pour ça que je joue mal.
Enfin non, j'écoute les OGN. Enfin, la compétition des Coréens de la Ligue des Légendes. Vous savez que les Coréens ont des années-lumière d'avance sur nous en termes de skill. Donc forcément, c'est très instructif. Mais bon, on s'en fout. When did you get so strong? This is for every one of my friends you've murdered, and this is for Gohan. Ah oui, parce qu'il l'avait tué sans grand, oui, c'est vrai. Eh oui. Il y a eu beaucoup de morts, mais il y a eu beaucoup de blessés aussi. Mortellement, attention, ça déconne plus. Alors, on est chaud, donc tu m'attones, on disait, hein? Je vais te le défoncer, mon frère. Tu vas en plante plein la tronche. Et si. Bon, sinon. C'est vrai que j'ai pas sauvegardé, je crois, l'épisode de Zabon. Mais qu'est-ce que tu fais? Aïe, oui, aïe, oui. Bonjour, vous avez demandé à la police, ne quittez pas. Tu te calmes, Denis. Merci. Non, tu te. Putain, je fais n'importe quoi. Yeah, tourne-moi le dos, biatch. Mange ma boule. Oui. Ah, lui aussi voulait me montrer sa boule. Aha! It's my turn! Aïe. En fait, ça marche pas. Oh oh. Putain, j'ai pas eu le temps de bouger. C'est quoi ce cheat? En fait, je suis juste nul. Allez, tourne-moi le dos! Mince, j'ai oublié d'aller vers lui pour le refrapper en paix. Ça marche pas très bien quand on essaie de taper à distance avec des coups. Hein, ça... Oui. Oh merde. Laisse-toi tomber. Ah putain. Oui. Ah. Oh. Aïe. Oui. Aïe. Oui, bah take 10 toi-même. Hein. Bon, lève-toi. Eve, lève-toi et danse avec la vie. Olé, le dodge. C'est un amazing blaze. Mange-toi le mur. Pouf! Et voilà. Askip, la vie c'est mortel et je vais te le démontrer maintenant. Et si? Tu te calmes. Oh merde! Oh merde! En fait, j'ai essayé, vous savez, d'invoquer ma boule qui me permet de l'expulser en fait du cac, mais ça marchait pas. J'ai genre martelé mes deux touches, c'est-à-dire Z plus bas, et ça voulait pas. Eh oui. Donc ça veut dire que j'ai trop de chance. Du coup, deuxième essai. Ouais, si, deuxième essai. Relou quand même. Ready. Allez, c'est parti. Il est où? Ah, t'es là. Salut. On se fait un FIFA. Non, je déconne. Oh, de la merde ce truc, n'empêche. Ok. Oh, le dodge. Oh, le double dodge. Ah, merde. Pourquoi je parle? Pourquoi quand je parle, il se passe de la merde après? Pourquoi? On recommence. Ah, merde. Mauvais timing. Bon, tu te calmes. Parce que moi je suis un peu vénère dans le DBZ game. On t'arrête là. Ah mince, j'ai pris un stop. Ouais, moi aussi je sais le faire. Hein. Mince, ouais, sauf que. Mince, ah bah trop tard. J'ai pas été assez réactif. Oui. Aha. Ah bah là ça marche. Putain, c'est quoi ce bordel? Pourquoi ça marche pas tout à l'heure? Laisse-toi. Voilà. Pouf. Mince, qu'est-ce qui se passe? Je vois plus rien. Oups. Oups. Aha. Ça va, je commence à réavoir le réflexe de parer les enchaînements. On est bien. Ah, apparemment il n'y a que moi qui suis bien. Alors, on n'arrive pas à dodge? Oh merde. Ah, je suis qu'une merde. Ah bah là je vais me prendre les deux. Ok, j'ai compris, sinon ça va me faire encore un game over. On va le finir rapidouche. Allez, burning attack. Dans tes fesses. Ah merde, j'ai détruit la voiture. Je rembourserai, promis.
Bon alors, pour l'instant, résultat des comptes, on est à 2 game over pour 2 victoires. Ça va, c'est équilibré, on va dire que l'un ne va pas sans l'autre. Hein. Putain, c'est vraiment de la merde. Merde, j'ai oublié de lire. Logiquement, c'était celle, je crois. Maintenant, je vais avoir le réflexe de sauvegarder tout le temps. Même si on perd quelques secondes, je m'en fous. Parce que c'est vrai que Zabon, c'était long quand même. Comme chapitre. Et Zabon n'est pas forcément un personnage que j'aime jouer. Mais qui est sympa quand même. Donc forcément... Attends, tu vas me dire qu'il y a 3 épisodes sur ce truc. Donc on va faire 25 minutes pour 3 épisodes. Oh putain. Là, on a atteint des sommets quand même. 3 years have passed. 3 years since the android's defeat. And one fight remains to end Cell's ambitions forever. You've improved, I'll give you that. There's not a chance I'm letting you slip into the past, Cell. I've had enough of your jabbering. Alors là, en fait, on va affronter celle en première forme, car je vous rappelle... Putain, j'ai perdu ma voix. je vous rappelle que, vu que notre ami Trunks a réussi à vaincre tous les cyborgs, bah celle n'a pas pu les battre et les absorber, et ainsi décupler sa puissance. Et du coup, il est resté en première forme, même en absorbant les gens. C'était pas assez. Bon, ok, il y a eu beaucoup de morts, mais Trunks, super saillant, a réussi à vaincre les autres cyborgs, et ainsi empêcher celle de tout simplement détruire la planète avec ce super power of the dead. Donc voilà, t'arrêtes de m'en mettre plein la tronche, là je t'ai rien fait, ok? C'est parce que j'ai les cheveux attachés, c'est ça? Ah fou, arrête de TP, c'est pas gentil. Oui. Ok, j'ai compris, c'est bon. Allez viens, viens, on est bien. Allez viens, tu m'as saoulé. Tu m'as saoulé. Là je suis chaud comme une loose. Tu m'as saoulé. Ah bah là tu me saoules plus. C'est bizarre. Mais il me saoule avec ses coups sardés, cette pute. Oh. J'en perds mon français quand même. Hein. Bon, ah, elle est bleue maintenant, elle est plus jaune. Bon allez, il se laisse faire alors. What? Pourquoi t'as fait ça? On recommence. Enfin non, après. Maintenant. Voilà. Ah ça va tout de suite mieux quand je t'enchaîne hein. Ah mais je suis bête. Je suis trop con. Mais bien sûr. Bon de toute façon ça change rien, je sais pas jouer Trunks. Pouf, pouf. Ho ho ho. Coucou, c'est le facteur. Ah oui. Apparemment il n'aime pas le facteur. Il n'aime pas la poste. Qui aime la poste, franchement? Tu arrêtes. Aïe. J'ai mal à ma France. Non, tu te calmes. Oh le dodge. Aouh. Mince, pourquoi j'ai fait ça? What the fuck? Allez, on va le prendre. Ouais, prends-le. Non, prends-le. Oui, mais non, mais pas comme ça. Mais non, mais... En fait, je vous explique ce que je voulais faire. Je voulais lui mettre un coup de poing dans le ventre pour qu'il soit, on va dire, hors d'étanure pendant quelques secondes. Et ensuite, je voulais le choper pour le balancer dans les airs. Mais, ma manette voulait pas. Donc, de ce fait, c'était un petit fail. Et c'était nul. Voilà. Et tristesse et chocolat. Donc, voilà. Alors, on a déverrouillé le... Ah, ça gratte ma tête. Lol. On a déverrouillé le scénario mercenaire de l'espace. J'allais dire mercenaire parisien, je suis... Au parisien, il est venu s'inviter dans ma tête. Pardon aux parisiens qui regardent des barres. Non, plus sérieusement, ce chapitre, je ne sais plus ce que c'est. Trunks, Bulma and the other survivors of the future can finally live in peace. Alors en fait, quand il dit les autres, ça suppose qu'il n'y a presque plus personne en fait. Voilà, super. Bah, Bou va venir. T'inquiète pas pour ça.
Bon, du coup, ce chapitre est terminé et le prochain, je ne sais plus de quoi ça parle. Les mercenaires de l'espace. C'est pas avec. Attends, les mercenaires de l'espace. C'est pas avec les larvins de Freezer. Non, pas de Freezer. De. Attends, on va juste regarder. Les mercenaires de l'espace. Non, je vois pas là. Bon, attendez, on va juste regarder un truc. Douce traîtrise. Ok, en fait, on a tout fait. Non, on a pas tout fait. Merde. Ah, sniff. Ah, bah, c'est le combat final, je crois. Non, pas du tout. En fait, il manque plein de trucs. Ouais, bon, c'est pas grave. Normalement, on est à 62% ou aux alentours. Enfin, peut-être 60 en fait. Bon, c'est pas grave. Du coup, on a déverrouillé les mercenaires de l'espace. Je ne sais plus de quelle chose parle ce chapitre. Mais bon, comme d'habitude, vous allez me le dire parce que j'ai une mémoire de poisson rouge et que vous êtes trop sympa, vous voyez. Donc ce sera tout pour cet épisode numéro 27, totalement nullissime, pour lancer cette année 2015 avec mon skill inexistant, hein, voilà, qu'on se le dise. Et donc ce sera tout pour cet épisode 27, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, et au prochain épisode dans lequel nous ferons les mercenaires de l'espace. Allez, salut!